Salut à toutes et à toutes. On se retrouve pour l'épisode 2 sur le mode maître d'armes de Soul Calibur 2. À l'épisode précédent, hein, ça a été rapide. Un peu d'entraînement et beaucoup de combats. Mais là, je pense que ça va pas être si différent que ça. Bien qu'il y aura plus de combats sûrement puisque la phase d'entraînement c'est terminée. Donc là, c'est tuban. Hein. Il y a 3 missions que je vais faire dans cette vidéo. Donc là, on a toujours. Voilà, chapitre 2, le voyage commence. Si tu cherches Soul Edge, tu devrais partir vers l'est. Au-delà de Tuban, tu trouveras la cité de Benetash. Benetnash. Des gens du monde entier y affluent en permanence. C'est un bon endroit pour trouver des informations. Suivant le conseil d'Edgar, vous prenez la direction de l'est. Vous vous demandez si vous pourrez apprendre quelque chose sur Soul Edge dans un endroit pareil. Mais après tout, il faut bien commencer votre quête quelque part. Les mots de Léon vous reviennent soudain en mémoire. Tu as gagné ce coup-ci, mais je compte me rattraper. Je repasserai le test très bientôt, j'allais dire le traître. J'ai entendu dire que tu partais à la recherche de Soul Edge. Si c'est le cas, nous ne tarderons pas à nous revoir. Vous lancez un dernier regard derrière vous et vous vous mettez en route. Votre quête vient de commencer. Tuban Ferry. Voilà, toujours un étoile, ça a l'air... c'est facile, quoi. Voilà, j'aperçois, ok. Ah, tout mon argent, carrément. C'est le racket, là, c'est un coyote. Hein? Mais on va pas se laisser faire comme ça. Ce n'est qu'un bandit qui s'en prend aux voyageurs dans la région. Ah voilà, donc faut le toucher. Frapper 20 fois l'adversaire et survivre. Ok. Donc là, en fait, ce qui est bien, c'est que dans ce mode, il y a... C'est tellement rapide qu'on n'entend même pas parler. Son expression faciale, elle a même pas le temps de se stabiliser. Donc ce que je voulais dire, c'est que c'est bien parce que on a beaucoup de défis différents. Donc là, faut le frapper 20 fois. Donc peut-être que je lui fais pas de dégâts. Bah déjà, là, il me prend la moitié, là. Ah oui, 20 fois, ouais, mais là ça va être un peu dur, là je pense, à moins que je puisse prendre quelqu'un d'autre. Versus Voldo. Donc faut vraiment être rapide en fait. Visiblement si, it can be. Mais est-ce que j'abandonnerai? Évidemment non. Ah d'ailleurs il y a le nombre de fois où je tente visiblement aussi. Don't move. Ah là, je vais peut-être réussir. Voilà, en plus je le fais tomber. Voilà, ça fait plaisir. Voilà, moi je suis très satisfait, effectivement. En plus, voilà, une réussite sur 5. Bon. Village of Arch. Voilà. Ok, donc, voilà, il y a du vent, quoi.
Donc faut faire attention, faut bien lire ce qu'il y a. Hein. Donc voilà, ok. Épreuve de force. Ah. Ah oui, effectivement, faut faire attention. Versus Yun Sung. A hero desires a sword. Final battle. Ah oui, effectivement, on voit le. Voilà, je suis tombé, mais bon. Voilà, c'est assez rapide comme ça, c'est assez rapide. Ah, niveau 2. Traverser le donjon infesté d'ennemis et éliminer le boss. Voilà, le héros du village. Pourquoi je serais lynché, voilà. L'admiration du jeune homme, tout ça. Voilà, jeune homme, donc ça montre bien que voilà, il aurait pas pu te mettre une femme, tu vois. Bon, maintenant, voilà, je veux dire, le jeu est sorti il y a 20 ans, hein, maintenant, bon. C'est pas la même chose. Vous sympathisez, voilà, ils ont un problème. Ah oui. Comment ils vont manger, les pauvres? Ah oui, les mineurs leur ont dit, on s'en bat les couilles. Voilà. Allez, je vais les aider. Ah, les mineurs ont empoisonné. Ah. Ok, donc il faut un antidote, ok. Ah oui, c'est vrai que les mines comme ça, là, c'est comme c'est labyrinthique. T'as plusieurs embranchements et des fois tu peux te retrouver à être perdu si tu connais pas le chemin. Give up already. I'm through with words. Final battle. Bah, tu vas être fou de coups de fouet aussi, ça. Ah oui, là. Voilà, exactement, j'aurais pas dit mieux. Fate conspired to arrange their battle. It's time to die. So, you want me to knock you out? Final battle. Bah, regarde, moi j'ai un fouet. Ah, déjà le boss. Versus Yoshimitsu. Ah, Yoshimitsu. Est-ce que lui peut... Je vais le laisser s'envoler pour qu'il se suicide. Est-ce qu'il peut se suicider? Parce que des fois, il peut se suicider. Hein. Voilà, je débloque des persos comme ça. C'est comme ça aussi qu'on débloque des persos dans le jeu. Bon, je vais faire un peu plus parce que là, c'est assez court, là, ce que j'ai fait. Ouh, Bennett Nash. Bennett Nash, la prospère. Leur chef vaincu sous vos yeux, sous leurs yeux. Les mineurs semblent sur le point d'attaquer. Mais Shiro s'avance alors pour leur ordonner d'arrêter. Bande d'idiots, jusqu'où avez-vous l'intention de me ridiculiser aujourd'hui? Il promet alors de fournir un antidote aux pêcheurs et de discuter de la situation.
Votre mission en tant que médiateur est une totale réussite. À présent, c'est à eux de se raisonner pour vivre en paix. Curieusement, vous semblez être rentré dans les bonnes grâces de Chéreau. Car, en vous voyant partir, il se précipite pour vous rattraper et insiste pour que vous participiez à un banquet avec les pêcheurs et ses hommes. Le lendemain matin, vous prenez congé de vos nouveaux amis et mettez le cap vers l'est, de l'autre côté de l'abîme. Après plusieurs heures de marche, vous arrivez en vue de Bennett Nash. En chemin, vous avez croisé de nombreux saltimbanques et marchands ambulants, au milieu d'une foule de plus en plus compacte. Bennett Nash est clairement une cité prospère et animée. Ah, carnival! Ok. Le carnaval. Ouais, ah, bah attends. C'est carnival, il y a écrit. Ok. Ah. Ok. Je peux pas rester au debout. Ok. Versus charade. Das. A hero desires a sword and a sword. Ah, c'est-à-dire que s'il me touche, je meurs quoi. En fait, je pouvais lui prendre des points de vie, mais on voyait que ça lui prenait quasiment rien quand je lui donnais des coups. Charade. Donc là, j'ai des embranchements, donc je peux aller là. Ok. Voilà, je suis pas dans le besoin, ok. Ah, Léon. C'est le papa. Ah. Est-ce que c'est toujours le même là? Ça va être Cervantes du coup? Ou c'est quelqu'un d'autre? Ah, ok. Voilà le temple d'Ifada. Dibda. Ouh, la puissance des projections est augmentée. Les marchands du temple. Ah, carrément, le temple. Ouais, là, c'est vraiment les marchands du temple, là. Qu'est-ce qu'ils foutent, là? Ah, ils se battent, ok. Ah, d'accord, ok. Une posture défensive. Ouais, voilà, c'est ça, des projections, puisque je pourrais rien faire. Versus Raphaël. Ouais, c'est vrai que si je fais comme ça. Ah.
Ah, il m'a mis KO. Bon. This can't be. Ah, je gagne aussi de l'expérience quand je me fais battre, ok, ouais. Raphael. Final battle. Fight. Bon, voilà. Là, j'ouvre cette zone, mais je peux continuer ça aussi. Ah, du venin, carrément, il m'empoisonne maintenant. Ah, carrément, on m'a vendu comme esclave, voilà. Pourquoi pas? Ouais. On m'a pris mon arme. Ah, j'ai mon arme, ok. Je m'en doute, hein. Ils veulent pas laisser partir une personne aussi intéressante. Mais ils ont dû venir. Ils sont quatre, ces fils de pute. Bon, allez, maintenant pas de pitié, hein, là. Ah, contre moi-même. Bon, je me connais très bien. Allez, tombe dans l'eau. Ah ouais, ah oui, c'est ça le truc du venin empoisonné, c'est. Ah. Ah lui j'aime pas Voldo, il me fait chier lui. Tombe dans l'eau, voilà. Voldo tombe dans l'eau, c'est très très bien ça. Ah Alfred. Ah putain, parce que si je perds, je vais tout recommencer là. Putain. Putain, c'est ça. Putain. This can't be. Je m'en sortais bien là et. Versus Maxi. Bon, c'est toujours les mêmes. Battle 1. Fight. Comme ça que je devrais faire, ouais. Ah, comme ça. Battle 2. Fight. Tiens, je voulais. Putain de merde. Oh, mais je récupère deux vies. La moitié, ouais. Faut pas que je prenne deux coups avec lui, du coup. J'ai dit Voldo, j'ai des mauvais souvenirs avec lui. Battle
Putain, pourquoi je... Ouh, ça va être chaud là, ça va être chaud. Voilà, le roi des pirates. Niveau 6. Cervantes est maintenant disponible. Bon, je vais arrêter la vidéo ici, hein. Ah, ça a été quand même dynamique, hein. J'ai perdu quelques fois, oui, mais bon, c'est le jeu, c'est le jeu. Mais bon, l'important, c'est pas combien de fois tu tombes, c'est combien de fois tu te relèves. C'est ça qui est important. Donc voilà, vidéo qui s'arrête ici. J'adore faire ces vidéos, vraiment, ça me rappelle... Bon, il y a le côté nostalgique, bien évidemment, hein, qui joue forcément. Mais comme quoi, ça pas... Bon, au graphisme, bien sûr, il y en a des mieux maintenant. Mais je veux dire, c'est quand même jouable, ça reste quand même joli. Et puis, c'est très intéressant, sinon je ferai pas la vidéo. Donc si vous avez aimé, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous n'avez pas aimé, vous savez aussi ce qu'il vous reste à faire. Du coup, moi, je vous dis bye et à plus pour une prochaine vidéo. Allez, salut et portez-vous bien.